Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de réussir le défi de nage chronométré à Weeping Woods ou à Coral Castle. Alors, le défi que moi je vais vous montrer, c'est celui qui se trouve à Weeping Woods, donc par ici. Et celui, il y en a un autre qui se trouve à Coral Castle, qui se trouve plus ou moins par ici. Donc de toute façon, vous le verrez bien, il sera lumineux en bleu. C'est une sorte de chronomètre, c'est un chronomètre même, en bleu. Donc là, je vais chercher celui qui est à Weeping Woods. Normalement, il doit se trouver dans les alentours, donc c'est un défi de nage. Logiquement, il doit se trouver près de l'eau. Logiquement, ça doit se passer comme ça. Ok, je le vois. En plus, il dégage une lueur bleue. Donc, vous ne pouvez pas le louper. Hein. Regardez, il est juste là-bas. Donc, c'est un défi de nage. Donc, bien entendu, vous n'allez pas pouvoir le faire avec votre véhicule. Hop, vous sortez du véhicule. Ok, donc c'est juste en haut. Juste un ennemi, j'espère qu'il ne va pas me prendre la tête. Hop, c'est bon. Donc là, vous activez le défi chronométré. Et là, ben, vous prenez tous les points. Donc, vous avez un certain temps. Hein. Donc, ne traînez pas pour ramasser tous les points. En plus, c'est en descente, donc ça va assez vite. Voilà, faites comme moi, sautez et prenez tous les points. Là, je suis à la moitié du temps. Je pense que c'est assez facile à réaliser. On va voir. Si je faille, ben, c'est qu'il est plus compliqué que je ne croyais. Ah, c'est le dernier. Hop. Ouais, non, ça va. Vous avez genre... je sais pas il y a combien de secondes. Mais il me restait genre un quart du chronomètre, un peu moins d'un quart. Donc voilà, c'est assez facile à réaliser. Enfin bref, vous avez l'autre de l'autre côté à Coral Castle. Donc choisissez celui que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Vous en faites un. Et dès que vous aurez terminé un seul défi chronométré, vous débloquerez 24 000 XP. Donc voilà qui termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulu Mike et ciao. Peace. I'm Nick, bro.